Pierre Vercruz, Cobra Bleu avait été de nouveau arrêté après l'été. Oui, il a été opéré, il avait une paralysie d'une corde dans la gorge. Le docteur Rossignol, qui est un spécialiste de ça, l'a opéré. Ça a très bien fonctionné et le cheval a repris l'entraînement et respire tout à fait normalement. Donc de ce côté-là, tout est rentré dans l'eau. Et ces deux courses de remise en jambe ? La première était pas si mal à Lyon. Brian m'a dit que le cheval s'était très bien comporté, courant avec des chevaux qui ont depuis très bien confirmé. Pour la seconde, on a été à Cagnes. Ça s'est pas très bien passé, une course avec beaucoup de ralentissement. Il y en a une droite d'en face, j'ai tapé dans le concurrent qui me précédait. Il a fait la faute et après c'était pas mal. Après je sais pas si c'est le fait d'avoir tapé dans le pont du concurrent qui me précédait, mais je suis allé rentrer avec une douleur à l'antérieur droit qui nous a un petit peu embêté pendant quelques temps. Donc comme il n'a pas de bons engagements, tout de suite on court cette épreuve pour nous remettre en route, tout en sachant qu'en deuxième ligne et en n'étant pas à 100%, on n'a pas de chance. Ouais, difficile de l'envisager dans les 5, Pierre. Il y a un moment qu'on ne l'a pas vu à son avantage en plus. Oui, voilà. Il n'y a que nous qui croyons encore, donc on va continuer dans cette voie-là. Le cheval est bien dans sa tête. On aura des meilleurs engagements par la suite. De courir une épreuve sur la vitesse, ça va lui ouvrir les poumons. Mais c'est sûr que pour les parieurs, on peut faire une impasse tout à fait logique.